radio pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom. Il est dit.
Alléluia. Gloire à Jésus. Shima kwa Yesu. Te gloire. L'autre nom est le nom de Jésus. Y a pas d'autre nom est le nom. Alléluia, Jésus. Il est dit. Alléluia. Alléluia. Amen.
Vers le Seigneur, le Dieu de leur salut. Que les anges écoutent le racheté chanter. Ema, encore pour la dernière fois, que quelqu'un puisse le chanter de tout son cœur. Entrez dans la présence de Jéhovah. Tout est possible.
tunawezekana. Dans cette atmosphère, kama hii, tout est possible. Kila kitu kinawezekana. Nous te bénissons. Toa kubariki. Nous te levons. Toa kuinua. Nous te clamons. Toa kushangilia. Nous te supplions. Toa kulilia. Oh, Jehovah. Oh, Jehovah. Je ne sais pas ce que je veux dire. Si je mais les quelques mots qui seront prononcés. Si je et quand les malhommes et les chemins. Parle toi-même. Circoncis mes lèvres. Et c'est le mon interprète. Circoncis nos oreilles. Que l'homme ne puisse pas écouter. Mais que Dieu puisse écouter. Mungu et au nom de Jésus-Christ. Tout esprit chafu. De distraction. De l'incrédulité, de l'hostilité, de la maladie, des enfoutements, des ensorcellements, de la fatigue et de la journée. Au nom de Jésus-Christ, allez tomber au lieu saride. Père Céleste, ravis-nous tous dans le lieu céleste, dans ta présence. Nous ne voulons pas quelques gouttes de rosée. Mais nous voulons la bénédiction céleste. Dans ta présence, tout est possible. Dans ta présence, tout est possible. 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 Fais-le. Oui, fais-le. Accorde-le. Lette. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas écouté quelqu'un dire amen. Oh. Merci Jésus. Asante Yesu. Chaque jour, siku kwa siku, le Seigneur devient Bwana anageuka réel. Wa kweli hakika. Alléluia. Amen. Plus le jour passe, Zaidi mazikuza pita, il devient réel. Anakuwa hakika zaidi. Ce matin, j'ai dit, ce soir, j'ai dit, Mangaribi ya leo nasema, prends plus de moi, uchukue zaidi yangu mimi, donne-moi plus de toi, unipatie zaidi yako wewe, prends plus de Bethel Tabernacle, uchukua zaidi ya Bethel Maskani, donne-nous plus de la divinité, utupatie zaidi ya uungu. Amen. Si tu le crois, dis amen. Kama unayamini sema amina. Amen. Dis Seigneur. Sema Bwana. Répète avec moi, Seigneur. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Ôte mes failles et mes erreurs. Donne-moi ton courage et la foi d'aller de l'avant et de posséder les portes de l'ennemi. Prenons nos Bibles. Merci. Dis à ton frère, à ta soeur. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Dis-lui cela à la langue que tu veux. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Juste pour une petite chose. Juste une petite chose. Kitu kidogo tu. Alléluia. Acte chapitre 10. Matendo sura yake ya 10. Verset 30 au verset 35. Tangia makumi tatu hadi makumi tatu na tano. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. On voit donc à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre qui est logé dans la maison de Simon Coroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi
Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné à nous dire. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Amen. Cornelio akasema, leo ni siku ya ine tangu nilipokuwa nikifunga hata saa hii. Na katika saa tisa, nilikuwa nikiomba ndani ya nyumba yangu. Kumbe, mtu alisimama mbele yangu mwenye nguo za kung'aa. Akasema, Cornelio, maombi yako yamesikiwa na sadaka zako zimekubaliwa mbele ya Mungu. Basi, tuma mtu kwenda Yopa, ukaite Simoni anayeitwa Petro. Anakaa katika nyumba ya Simoni, mtengenezaji wa ngozi, karibu na pwani. Naye akikuja atasema nawe. Mara moja nilituma watu kwako, nawe umefanya vema kufika. Basi, sasa sisi sote tuko hapa mbele ya Mungu, tupate kusikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Na Petro alifungua kinywa chake akasema, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo kwa mutu. Lakini katika kila kabila, yeye ambaye anayemuogopa, yeye na kutenda haki, anakubaliwa naye. Asoyevue que le Seigneur ajoute Kaeni na Bwana Mungu ongeze une bénédiction spéciale. Baraka ya kipeke. Amen. À la lecture de sa parole. Kwa usomi wa neno lake. Amina. Amen. Juste pour quelques minutes. Kwa dakika chache tu. Quelques minutes. Dakika chache. Je voulais parler de Dieu ne fait exception de personne. Natafta sema jua Mungu afaike ubaguzi. Dieu ne fait exception de personne. Mungu afaike ubaguzi. S'il a déjà fait à quelqu'un d'autre, kama jafanya mtu mwingine, il le fera aussi pour toi. Hata ufanyia vile weye. Je pense que quelqu'un devait seulement être erré. Na waza mtu fulani ngoza furahi yake tu kufurahi. De dire alléluia. Alléluia. Pierre, tu as raison. Ah Petro kuna sheria. Je pensais que Dieu ne m'aime pas. Ni kwa waza Mungu anipendake mbie. Oh que Dieu n'oublie personne. Akume Mungu asahau mtu. Dieu ne fait exception de personne. Mungu ana upendeleo ngambo moya. Que tu sois petit ou grand. Ukwe muloko mkubwa. Riche ou pauvre. Tajiri maskini. Il ne fait exception de personne. Ana upendeleo ngambo moya. Si tu te tournes vers lui, kama unamgeukea tu yeye. Il va se tourner vers toi. Yeye anakugeukea wewe. Si tu l'appelles, kama unamuita, il t'écoute. Yeye anakusikia. Si tu avais le fardeau ce soir, kama ulikuwa na mzigo magharibi ya leo, tu pourrais commencer à danser à dire. Unaweza ongea. Dieu ne fait exception de personne. Mungu afanye ubaguzi kupendelea mtu mgambo moya. Si il a exaucé les autres, kama alijibia wengine, il doit aussi m'exaucer. Anapaswa pia kunijibia. Comment Dieu puissant, le même Dieu qui a chassé Lucifer du ciel, lui et ses démons, le même Dieu arrive à Gadar et va trouver un fou qui est plein de démons. Et les démons vont commencer à trembler et vont dire à Jésus, toi le fils de Dieu, comment tu es venu trouver avant le temps? Jésus n'a pas répondu à ces menaces. Mais le démon change. Et le démon dit, ne nous envoie pas en enfer. Envoie-nous dans les cochons. Là
Jésus qui répond toujours aux prières. Là, Jésus se redresse. Jésus se redresse. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevez. Les démons demandaient à Jésus. Ne nous envoie pas dans le tourment. Mais envoie dans le cochon. Jésus a dit, je suis prêt à écouter n'importe quelle demande. Il ne fait exception de personne. Que tu sois démon, je vais t'exaucer. Je n'ai pas écouté la réponse appropriée. Les diables ont demandé. Nous sommes 6000. Une légion. Envoie-nous dans le cochon. Le cochon n'était pas 6000. Peu importe le nombre de cochons. Toi, dis-nous de partir. Les démons pouvaient partir eux-mêmes. Mais Jésus était le maître. Et il est le maître ce soir. Il est prêt à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Il ne fait exception de personne. Dis-moi un amen. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois parent, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, découragé, abattu, déterminé. Jésus est là. Yesu ko pale. Ce soir, Jésus est là. Yesu ko apa. Qu'est-ce que tu veux? J'ai exaucé les démons. Les démons m'ont dit, laissez-nous aller dans le cochon. Jésus n'a pas répondu. Il a fait seulement comme ça. Et les démons sont allés dans le cochon. Toi, tu n'es pas un démon. Es-tu un démon? Es-tu un Satan? Es-tu un enfant du diable? Alors Jésus ne fait exception de toi. Que ton besoin soit exaucé. Amen. Je dis que ton besoin soit exaucé. Même si tu veux que le soleil s'arrête, le soleil va s'arrêter ce soir. Même si tu veux que la pluie pleuve dans cette maison, ça va pleuvoir ici à l'intérieur. Même si tu dis que mon œil qui ne voit pas, je veux que ça voie maintenant. Là, tu provoques mon Dieu. Je commence à sentir les choses Amen. Je sens la réaction. Ne me dis pas. J'ai prié longtemps. Corneille. Avait prié longtemps. Et un ange est à Paris. Mais l'ange n'a rien fait. L'ange.